Bonjour à toutes et à tous, c'est le gamer. Et la gameuse. Et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Poképark Wii, la grande aventure Pikachu sur Wii. Et donc la dernière fois on avait fait les Pokémon suivants pour la complète du carnet de Poképark. Et aujourd'hui nous allons continuer du coup la zone hantée, la zone rocheuse et la zone fleurie si on a le temps. Et la zone Et les autres zones sont faites. Oui, donc Skyox en lava Nami, si je voulais vérifier pour être sûr. Bien, donc on a dans mes souvenirs de vidéos que j'avais déjà vu, enfin que j'ai revu de nos vidéos, Mimigal. Hop, donc c'est le premier sur 4, parce que la dernière fois on avait regardé, il restait 4 ici. Tu as retrouvé Motisma, merci, deviens mon ami. Bon, au moins lui c'est rapide. Le piano est réparé, il sonne mieux que jamais. On a retrouvé Motisma en plus, donc tout est rentré dans l'ordre. Les fantômes sont actionnés à la fontaine dans le jardin et ils ont réparé les lumières. D'accord. Donc Mimigal. Il est là. 130. Il vit dans le manoir de la zone hantée, sans fil. Non, son fil est si fin et solide qu'on peut l'utiliser comme corde de piano. Donc il nous en manque deux ici. Et un ici. Donc vu qu'il a dit que la fontaine et tout était réparé, il y a peut-être possibilité qu'il y ait des nouveaux Pokémon, je pense. Dehors. Dehors. Du coup, tu vas aller voir. Ouais. Allez, tiens. Tu me dis ça, mais tu m'y amènes, en fait. Bah, t'es pas dehors encore. T'as vu qu'il fait Monsieur Mime? Ouais. Allô. C'est juste un tour d'horizon, hein. Retourne-toi. Ouais. Bon, tant pis, on rentre dans le manoir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais taper dans la fontaine. Je peux pas. Comme tu sais, dans les... C'est quoi qui est à droite là? Oui. Ah, Capitex. Non, c'est bon. Vas-y. Tu sais, comme dans les caisses là où il y avait les Pokémon. Je dis que si tu tapes dans ça, ça va. Ah oui, non. C'est pas comme les arbres et les caisses. Ah, ça me gratte. Donc, il en reste 3 à trouver dans le manoir. Est-ce que Magir... Oui, Magir, on l'avait eu. Noctinoir, on l'a. Mouflair, on l'a. Là, y'a rien. Là, y'a quoi? Oh, oh. Oh, 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 oh. On l'a eu. Oui, on l'a eu. Je pense qu'ils sont tous dans le hall, à mon avis. Le dernier, non? Le dernier niveau, le hall. Attends. Mais on y était au hall, il y avait rien. Non, le tout dernier, où il y avait tout le Darkrai et tout, là. Où t'es ça? Ouais. Encore? Attends, je vais remonter. Pardon. Passe par là. Ah, c'est un mur. Ah, c'est un mur. Et toujours tout droit. Abra! Ah non, c'est pas Abra. Là? Ouais. Là, tu le tour. Ah, électrode. On l'a vu maintenant. Ah non, c'était son petit frère. On l'a pas eu, parce qu'on pouvait lui parler dehors, mais on pouvait pas l'avoir. J'avais invité Corbos et Zaclic, mais il préfère rester dehors. Je suis devenu ami avec le Spectrum. Et maintenant avec toi aussi. Ok. Ok, on peut lire.
Là. Non, c'est là. Là, là. Electrode. 141. Ils sont venus explorer la zone hantée quand ils ont entendu dire qu'ils étaient devenus animés. Reviens là. Alors, reviens là, les amis. Parce que peut-être qu'on peut savoir à peu près qui c'est qui manque. Dans les trous. Baudrive. Non, pas savoir. Ok. Magie. Magie rêve, on l'avait eu. Hein. Oui. Pardonnez-moi. On va faire tout casser au cas où. Oh, elle, oh. Était... elle est dorée, non? Elle est quoi? Elle est quoi? C'est la plus chère, mais on l'a déjà. Ah. Tiens, là déjà. On est déjà au max. Et ça donne combien? Oh, pardon. Allez. Ça donne 100, je crois. Mmh. Donc, s'il y a quelqu'un qui te paraît suspect, qu'on n'a pas vu. Re, tout le monde. Alors, on a eu un petit plantage. Du coup, plantage. Mais c'est un plantage, hein. Du coup, on revient ici. D'ailleurs, je sais pas comment on a fait pour réussir. Ouais, je pense qu'on a... on s'est déplacé. Donc, je vais relancer le petit chrono en espérant que cette fois tout se passe bien. Donc, on va revenir dans les anciennes salles. Arrête de faire ça. Quoi? Mais c'est stressant. Pardon. En train de te râler, toi. Tape dans le truc pour voir. Quel truc? La cheminée. Ouais, un peu... Non. Mais c'est rien du tout. J'ai vu un spin. Bon, alors. Spectrum, on l'a eu. Voltorb, on l'a eu. Pardon. J'ai fait exprès. Alors. Pardon, j'ai fait exprès. Ici, du coup, on a Mimigal, Chapignon, pardon, j'ai fait exprès, Fantominus et mes couilles. Mimigal, et Abra. Riolu, Fantominus Spectrum. Encore une baie dorée. On est riche. Bon, là, ça devient embêtant. Est-ce que c'est pas en chopant les autres Pokémon que tu le chopes? Je ne sais pas. Non, parce que la chaîne rocheuse est après. Même, c'est... oui. C'est chelou. C'est la seule façon de trouver les Pokémon. Ah, il y a un truc. Ah non, c'est une baie. Ben, on va retourner dehors, hein, parce que c'est bizarre là. Il faut y a un truc qui nous a échappé dehors. Peut-être. Allez. Pardon. J'ai fait esprit. Qu'est-ce qu'il fait froid? Et qui de machin? Et après voilà, y'a rien d'autre là. Sortir du manoir.
Et si tu tapais dans les arbres? Dans les arbres ou quels arbres? Les sapins là, les... Ça là? Y'a pas des Pokémon cachés là-dedans là? Je ne sais pas. C'est chelou. Et si je renfronte Miaus? Est-ce qu'il n'y aura pas Persian par hasard? Tu allais bien aussi, faisais un quiz. Allez, c'est rapide. Et voici la question 1. Comment s'appelle le parrain de Cornette dans la zone hantée? Corbos. Tout à fait, exact aussi la question 2. Qui est le plus doué à attraction de boule de nœud? Cap humain. Eh non. Bras égali. Eh oui. Hop, purée. Alors, Combien la lune dans la zone hantée? Tout à fait exact. Pleine lune. Et voici la question 2. Peux-tu percevoir la zone boule de nœud? Oui. Et voici la question 3. Que voulait la Kaliki de la zone enfouie, minerai de fer. Et oui, je peux faire toutes les attractions grâce au ballon et tout. Chose, bien, bien. Et non, ça fait rien. Bon. On a le caca là. Il y a un truc qui nous a échappé, c'est pas possible. Il y a un truc qui nous a échappé. Il faut, il nous manque un seul Pokémon et en le battant, il débloque un autre Pokémon. Oui. Je suis d'accord, mais il est où ce Pokémon? Eh ben justement, il faut le chercher. Toi, t'as cru que c'était un truc comme ça, facile. Putain, y'a un truc là-bas. Ah ouais. Tu ne peux pas rentrer comme tu veux, c'est la chambre d'attraction. Si tu veux jouer, tu viens me demander. Ah d'accord. Autant pour moi. Ah non. Mauvais sens, oui, je sais. Je n'irai plus. Allez. Bordel. Il est où? Le dernier Pokémon. Bon, on va refaire un dernier tour des manoirs. Et puis après, ben, on ira à une rocheuse, tant pis. Hein. Parce que là, je vois pas. À part faire perdre du temps. Bon, et ben, les amis, on va aller à la zone rocheuse. Parce que là, sans espoir. Allez. Allez, on se casse d'ici, va. On cherchera plus tard. On perd plus de sang qu'autre chose. On va quand même parler à Abra pour voir. Abra, Abra. Ok, j'ai fait tout le tour pour rien. Alors. Deux Pokémon, ouais. Et bien il les manque. Donc zone rocheuse, après. Trois Pokémon.
Allez, c'est parti, zone rocheuse. On va essayer d'avoir ces trois derniers Pokémon. Donc, ils sont sûrement au fond. Voltali, on l'a eu. Ah, Karchakrok, on l'a pas eu ici. Non. Mew a pris mon apparence. On dirait qu'il sait en qui se transformer pour être fort. Vraiment, tu oses me défier en duel? Tu veux essayer? Non, merci. Tu es sûr? Bon, tu l'auras voulu. Et là, hein. Quel talent, devenons amis. Tu as rencontré Brazzaglil dans la zone ardente. J'aime bien son attraction de le cogne rock. Allez, encore une fois. Cette fois, pas de pitié. Et voilà. Pas compliqué son pattern à lui. C'était un très beau duel et tu as réussi à gagner. Alors, Karchakrok 165. Il est venu faire un tour dans la zone rocheuse douée pour le Cognorock de Brazzaglil. Donc il nous en manque un ici et un là. Donc combien il avait dit? 3 il avait dit. Oui. Donc un ici et un ici. Alors, du coup ici, là-haut, c'est la zone fleurie, donc c'est pas la peine d'y aller. Niveau ici, Arcanin, on l'a eu. Nirondel, on l'a eu. Terra, on l'a eu. Etoraptor, on l'a eu. Dans l'attaque, c'est bon aussi. Laisse-moi tranquille. Libégo, on l'a eu. Ben, on va aller là pour voir. Voilà. Rapion, on l'a pas eu? Non. Tu as traversé les pierres et actionné le levier. Et la porte dérobée s'est ouverte. Tu es formidable, je veux devenir ton ami. Voilà. C'est tellement plus rapide qu'il y a 30 ans. C'est clair. C'est plus rapide. Allez, donc du coup, Rapion. Il est là, 158. Il protège les ruines de la zone rocheuse et te donne un indice sur le mécanisme d'ouverture de la porte. Donc plus qu'un. Donc là-bas, il n'y a personne. Donc autant aller là-bas direct. Voir ce qui s'y cache. Archéomir, on l'a eu? Oui. Oh! Ossature, Kaorin. Girachi. On va faire tout le tour pour voir. Ben, haut. Ouais, attends, d'abord je fais le tour. Ok. Et attends, il y a une autre vase. Ok, en haut, oula. Des flammes. Non, là-bas, il y a les bons. Non, là-bas. Où là-bas? Là? Il y a rien, je crois. Ça va jusqu'à Togekiss, c'est tout. Hop, donc ici, il n'y a rien. On va terminer là. On peut pas. On va faire le tour. On l'a pas eu lui. Si. Ah si.
Ok. Donc, lui on l'a eu, Dracofeu on l'a eu. Je suis totalement loupé. Balbuton l'a eu et le reste on l'a eu. Très bien. Pardon. Et bon. Oh. Voilà le dernier. Tous les mêmes. Si on ne gagne pas un défi, il refuse de devenir ami. Pourquoi? Bah après tout. Tu veux faire un duel? Tu veux essayer? Bien, commençons. C'est un peu serré là le combat, non? Tu veux pas aller dans un endroit moins serré? Tu as utilisé que le vrai, il craignait pas l'électricité. Eh bah si. Oh. Rapide. Ah, bien joué, devenons amis. Reviens quand tu veux au fait. Tu as déjà essayé l'extraction de la zone ardente? Les tempos topides dans la stock, c'est drôle. J'aimerais bien en refaire. Et voilà, on va lui reparler. Un duel. Merde, pourquoi j'ai mis non? Bon, j'aurais aimé de en dire autant. C'est bon, cette fois je n'aurai aucune pitié. Ouais, il a autant de vie que Karchakro. Enfin, faire gaffe à son attaque hyper badass. Donc j'espère qu'il a que ça comme attaque. Oh. Ouais. Ah, il a séisme aussi. Très bien. Je me fais sauter. C'était très sympa, à plus. Et voilà, donc Tyrannosif est ici, 164. Il est venu jouer dans la zone rocheuse, doué pour les tempotopies de Rhinastock. Voilà, maintenant qu'on a eu tout ça, et bien du coup on va pouvoir partir d'ici directement, parce que le début de la zone rocheuse est ici. On va aller voir Abra, pour voir combien il y en a à la zone fleurie. On va se rendre à la zone fleurie et s'arrêter là. Donc au prochain épisode, je pense qu'on va clôturer les amis Pokémon. Et puis après, on commencera les mini-jeux du coup. Oula, pourquoi tu t'arrêtes? Alors, Abra... Que je ne me prenne pas de côté cette fois. Allez. Normalement, ici il y a tout. C'est bon, j'ai vu tous les Pokémon de la zone rocheuse devenir amis. Voilà, c'est bon. Ensuite. La zone fleurie, j'ai rien fait, donc je pense qu'il y en a pas mal. Donc, il y en a 7. Et bien voilà. 7 dans la zone fleurie. Et faudra penser... Il y en a deux aussi du coup dans la zone 1T. Comme ça on est sûr. Donc 2 à zone 1T, 7, ça fait 9. Aujourd'hui, vu qu'il en fallait 15, ça fait qu'on a réussi à avoir 6. Mais vu que on a cherché beaucoup à la zone 1T, je pense que les 9 la prochaine fois seront faits. Donc voilà. Donc on va directement aller à la zone fleurie. Est-ce qu'on peut se taper à la zone fleurie? Il me semble que oui. Et voilà. On va laisser ce petit truc pour le lol. Oh, un arc-en-ciel. Oui, c'est l'arc-en-ciel de la fin du jeu. Et voilà les amis, donc on a la zone fleurie. Et puis on va récupérer les 7 derniers Pokémon de cette zone.
Et après, on fera les deux derniers de la zone hantée, si on arrive à les trouver. Et puis voilà, donc les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir les anciens si vous n'avez pas encore vu. Et puis on se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode. Salut, salut tout le monde.